liste du président que vous avez proposé à l'opposition. La nouvelle liste du président, c'était qu'il souhaitait qu'il y ait une rencontre entre les membres de l'opposition et son premier ministre. C'est une démarche qui paraît difficile, difficile si l'opposition souhaite rencontrer directement le président de la République. Pensons aussi que ça, c'est leur droit, parce que si, étant donné que c'est le président de la République, qui est la première autorité de ce pays, il peut dire, bien, nous comprenons très bien ce que vous souhaitez, mais nous, nous préférions un tête-à-tête avec vous. Je pense que cela n'est pas impossible aujourd'hui entre deux personnalités qui, de par le passé, ont eu à prendre des responsabilités ensemble dans ce pays. Ils savent tous les deux quelle est la situation réelle des Maliens aujourd'hui. Quelle est la souffrance du Mali aujourd'hui? Les orphelins, les veuves, les personnes âgées, les militaires, les blessés. Et ensuite, bien d'autres événements qui sont là. Alors je pense que, eu regard à toutes ces grandes souffrances de la République du Mali, ils doivent être capables de se rencontrer pour que nous puissions sortir de cette crise. Voilà, en tout cas, nous partons d'ici avec cette espérance que les deux pourront très prochainement se rencontrer. Est-ce qu'il a été question d'annuler la marche de l'opposition de demain? Bon, de demain. Bon, nous, nous n'avons pas parlé de marche de demain. Et si vous voulez savoir mon point de vue sur les marches, on en a parlé. Moi, personnellement, je ne suis pas marchiste. Nous avons nos traditions. Vous voyez, quand il y a une marche, dès que vous mettez en mouvement, les forces du mal entrent en vous. Parce que quelqu'un va vous insulter, vous allez entendre quelque chose, on s'énerve, on ne sait pas comment ça va se terminer, malgré toutes les précautions que l'on prend. Pour ma part, je suis pour qu'on puisse se retrouver, réunis, et puis on discute sur un stade ou je ne sais pas où, plutôt que de se mettre en mouvement avec le grand risque de provoquer, malgré tout l'effort que les conseils qui sont donnés, tant qu'une marche n'est pas terminée, même les organisateurs en ont peur. Alors ça, c'est mon point de vue personnel, et je le dis clairement. Quand on me parle de marche, Abiné Diabo, Amandie, Ndakefana, Mingadine est vraiment en la psychique à fond des couilles. Mounia Andigala, Abitiani Mendoulou Kambadon, à la Kankisoma. Un mot pour le Bambara Foun? Oui, oui. Un mot pour le Bambara.